C'est un artisan qui n'est pas présent, mais par ses objets, il est là. Donc, c'est un non-voyant. C'est un village de Mousselouf. Alors, il a perdu la vue à l'âge de 30 ans. Et depuis, il a fait le Gilabou le Magique Iskaron. Et il a fait des objets qu'on utilise quotidiennement, gramen et tout ça, les coffres, les porte-stylos, les porte-serviettes. Mais c'est des choses que nous avons. C'est des beaux objets. À ta connaissance.